Me voici donc revenu parmi vous. J'ai retrouvé ma troupe ardente, j'ai trouvé aussi une scène, mais j'ai retrouvé avec douleur l'art théâtral sans grandeur, sans vertu, qui tuait les longs soirs d'avant la guerre, art calomniateur et délétère qui montrait le péché, non le rédempteur. Puis le temps est venu, le temps des hommes. J'ai fait la guerre ainsi que tous les hommes. C'était au temps où j'étais dans l'artillerie. Je commandais au front du nord ma batterie, un soir que dans le ciel, le regard des étoiles palpitait comme le regard des nouveau-nés. Mille fusées issues de la tranchée adverse réveillèrent soudain les canons ennemis. Je m'en souviens comme si cela s'était passé hier. J'entendais les départs, mais non les arrivées, lorsque de l'observatoire d'artillerie, le trompette vint à cheval nous annoncer que le maréchal des logis. Qui pointaient là-bas sur les lueurs des canons ennemis, l'allidade de triangles de visée, faisait savoir que la portée de ces canons était si grande que l'on n'entendait plus aucun éclatement. Et tous mes canonniers, attentifs à leur poste, annoncèrent que les étoiles s'éteignaient une à une. Puis l'on entendit de grands cris parmi toute l'armée. Ils éteignent les étoiles à coups de canons. Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne, comme la mémoire s'éteint dans le cerveau de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir. Nous étions là, mourant de la mort des étoiles, et sur le front ténébreux, au livide lueur, nous ne savions plus que dire avec désespoir, « Ils ont même assassiné les constellations !» Mais une grande voix venue d'un mégaphone dans le pavillon sortait de je ne sais quel unanime poste de commandement. « La voix du capitaine inconnu qui nous sauve toujours !» cria. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et ce ne fut qu'un cri sur le grand front français. au collimateurs À volonté Les servants se hâtèrent, les pointeurs pointèrent, les tireurs tirèrent, et les astres sublimes se rallumèrent l'un après l'autre. Nos obus enflammaient leur ardeur éternelle. L'artillerie ennemie se taisait, éblouie par le scintillement de toutes les étoiles. Voilà, voilà l'histoire de toutes les étoiles. Et depuis ce soir-là, j'allume aussi l'un après l'autre tous les astres intérieurs que l'on avait éteints. Me voici donc revenu parmi vous. Ma troupe ne vous impatientez pas. Public, attendez sans impatience. Je vous apporte une pièce dont le but est de réformer les mœurs. Il s'agit des enfants dans la famille. C'est un sujet domestique et c'est pourquoi il est traité sur un ton familier. Les acteurs ne prendront pas de ton sinistre. Ils feront appel tout simplement à votre bon sens et se préoccuperont avant tout de vous amuser, afin que, bien disposés, vous mettiez à profit tous les enseignements contenus dans la pièce et que le sol partout s'étoile de regards de nouveau-nés, plus nombreux encore que les sentiments d'étoiles. Écoutez, ô Français la leçon de la guerre. Et faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère. On tente ici d'infuser un esprit nouveau au théâtre, une joie, une volupté, une vertu, pour remplacer ce pessimisme vieux de plus d'un siècle, ce qui est bien ancien pour une chose si ennuyeuse. La pièce a été faite pour une scène ancienne, car on ne nous aurait pas construit de théâtre nouveau. Un théâtre rond à deux scènes, une au centre, l'autre formant comme un anneau autour des spectateurs, et qui permettra le grand déploiement de notre art moderne, mariant, souvent sans lien apparent, comme dans la vie, les sons, les gestes, les couleurs, les cris, les bruits, la musique, la danse, l'acrobatie, la poésie, la peinture, les chœurs, les actions et les décors multiples. Vous trouverez ici des actions qui s'ajoutent au drame principal et l'orne. Les changements de ton, du pathétique au burlesque, et l'usage raisonnable des invraisemblances, ainsi que des acteurs, collectifs ou non, qui ne sont pas forcément extraits de l'humanité, mais de l'univers entier. Car le théâtre ne doit pas être un art en trompe-l'œil. Il est juste que le dramaturge se serve de tous les mirages qu'il a à sa disposition, comme faisait Morgane sur le Mont Gibel. Il est juste qu'il fasse parler les foules, les objets inanimés s'il lui plaît. Et qu'il ne tienne pas plus compte du temps que de l'espace. Son univers est sa pièce, à l'intérieur de laquelle il est le Dieu créateur, qui dispose à son gré les sons, les gestes, les démarches, les masses, les couleurs, non pas dans le seul but de photographier ce que l'on appelle une tranche de vie, mais pour faire surgir la vie même dans toute sa vérité. Car la pièce doit être un univers complet avec son créateur, c'est-à-dire la nature même et non pas seulement la représentation d'un petit morceau de ce qui nous entoure, ou de ce qui s'est jadis passé. Pardonnez-moi, mes amis, ma troupe. Pardonnez-moi, cher public, de vous avoir parlé un peu longuement. Il y a si longtemps que je m'étais retrouvé parmi vous. Mais il y a là-bas encore un brasier, où l'on abat des étoiles toutes fumantes, et ceux qui les rallument vous demandent de vous hausser jusqu'à ces flammes sublimes, et de flamber aussi. Ô oh, public, soyez la torche inextinguible du feu nouveau.